Les droits de la défense inspirent quotidiennement l'actualité judiciaire. Ils sont le plus souvent évoqués comme une évidence, incarnés parfois caricaturalement par les déclarations offusquées d'avocats médiatisés, supposés toujours bafoués ou au contraire jugés tout aussi lapidairement incompatibles avec la manifestation de la vérité. Ils méritent plus de considération et de nuances. Voyons plus exactement ce qu'ils recouvrent. Constatons d'abord qu'ils ne sont pas légalement définis. Le Code de procédure pénale les envisage isolément, les répertorie parfois en les assemblant dans tel ou tel article. Nous en avons rencontré plusieurs dans les dispositions relatives à la garde à vue. Mais l'expression conserve un sens très général au point d'être utilisée aujourd'hui également pour évoquer la défense des intérêts de la victime. Une tentative de définition a été proposée par le professeur Jean Pradel qui y apercevait un ensemble de prérogatives accordées à la personne poursuivie pour lui permettre de faire triompher la présomption d'innocence dont elle bénéficie. Retenons que ces droits sont nombreux et précieux, le plus souvent exprimés dans le code de procédure pénale ou la convention européenne des droits de l'homme. Quelques-uns sont emblématiques le droit d'être assisté par un avocat, celui de garder le silence et de ne pas participer à sa propre incrimination, de savoir de quoi l'on est accusé, de bénéficier d'un juge impartial, de disposer du temps nécessaire pour organiser sa défense. S'ils sont insusceptibles d'être rassemblés à une catégorie univoque, la valeur qui leur est attachée est toujours la même. Ils ont une valeur constitutionnelle, ce qui revient à dire qu'ils sont reconnus et protégés par notre constitution et constituent des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. En d'autres termes, ils sont essentiels pour le fonctionnement de notre démocratie en général. Et de notre justice en particulier, au point qu'un article préliminaire les consacrant introduit le Code de procédure pénale. Ces droits, protéiformes, se déclinent tout au long de la procédure. Avant le jugement, ils irriguent la conduite des investigations pesant sur l'enquête ou l'information judiciaire. D'une manière générale, le législateur français, inspiré par les principes européens, n'a de cesse de faire remonter les droits de la défense en amont du jugement. Cela est vrai pour l'intervention de l'avocat ou l'information donnée au procureur dès le début de la garde à vue, la manière dont les preuves sont recueillies. Dans un même esprit, l'information judiciaire menée par le juge d'instruction devient de plus en plus contradictoire, mise en cause et victime échangeant déjà leurs arguments sous le contrôle du juge, mais encore participant chacun à la mise en œuvre des investigations en sollicitant, s'il le souhaite, la réalisation d'actes ou d'expertises. Lors du jugement, les débats sont organisés sous le contrôle d'une juridiction indépendante et impartiale en fonction des droits accordés aux mises en cause et à la victime. Ils pourront ainsi interroger les témoins, en citer eux-mêmes devant la juridiction, discuter les conclusions des experts. Leur importance est désormais si inscrite dans le fonctionnement de la justice qu'ils bénéficient même à l'accusé ou au prévenu qui ne comparaîtrait pas mais se ferait représenter par un avocat. Aujourd'hui, leur place dans notre droit est d'autant plus sanctuarisée qu'ils sont, à juste titre, considérés comme une condition préalable et nécessaire au procès équitable sur lequel veille scrupuleusement la Cour européenne des droits de l'homme. La sanction de leur violation est donc généralement la nullité de l'acte réalisé en violation de ces principes. Est-ce à dire que notre système est insusceptible de critiques Pas tout à fait. Des incohérences demeurent. Ainsi, le principe du contradictoire n'est-il pas respecté lorsqu'est rendue une simple ordonnance condamnant quelqu'un sur la foi de procès-verbaux sans le faire comparaître Souvenons-nous encore que l'accès au dossier n'est pas total pour l'avocat intervenant en garde à vue. Les droits de la défense, comme souvent en matière pénale, doivent ainsi être conciliés avec les impératifs, également précieux, de la préservation de l'ordre public et de la manifestation de la vérité.